Bonjour, je m'appelle Roger, je suis jeune apiculteur à la retraite. J'étais enseignant avant et puis maintenant je me passionne un peu pour les abeilles. Alors aujourd'hui, je me trouve sur le lycée de Firminy, Jacob Holzer, et je vais intervenir sur les trois ruches que vous avez en arrière-plan. J'interviens dans ce lycée auprès de jeunes qui font un projet éducatif, la ruche connectée, et qui m'a semblé très intéressant, donc j'ai bien voulu m'investir avec eux. Alors aujourd'hui, le temps s'y prête. Nous allons faire une visite très importante du rucher, c'est-à-dire ouvrir et voir l'état sanitaire de la ruche. On va essayer de voir une colonie vraiment en pleine activité. Donc l'entrée des abeilles dans la ruche. Ensuite, on va intervenir dans le cœur même de la ruche. Essayer de découvrir la reine parce que c'est quand même l'insecte principal de cet essaim. Aujourd'hui, on se rend compte que les abeilles souffrent dû à certains pesticides, certaines maladies comme le varroa. Il faut savoir qu'une ruche sur cinq périt en général chaque année. C'est énorme. Et donc aujourd'hui, on est à la recherche de solutions techniques ou technologiques pour remédier à ces problèmes. Connaître d'une manière plus scientifique l'évolution d'un essaim me paraît très important. Le comptage d'une manière, alors soit par caméra ou diverses solutions technologiques, c'est très important puisqu'un essaim pauvre en abeilles est voué à sa perte en général. Alors le suivi technologique de cet essaim est très important.